Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur Farming Simulator 2017. Et oui, j'ai changé de map parce que, donc je vais vous dire quand même parce que je sens que vous allez me le dire dans les commentaires. Hop, on démarre le tracteur. On va juste descendre un peu, partir un peu plus loin, sinon vous allez pas m'entendre. J'ai changé de map, pourquoi? Parce que l'autre, elle était bien, mais c'était trop loin, mais vraiment trop loin, je la connaissais pas. Et là en fait, elle est mieux celle-là parce que le magasin qui est vraiment pas loin, on le voit en haut de la map, là-haut, le petit panier. On a juste là, comment s'appelle? La série de bois juste à côté. Donc c'est vraiment tout par là, par là-bas derrière. C'est vraiment pas loin. On en a pour aller 5 à 10 minutes à peu près. On a l'abattoir qui est par ici. Et du coup, on est vraiment près de tout. La série, le magasin qui est un peu à côté. Donc c'est l'avantage. Elle est plus grande. Donc hop, il y a plus de champs, donc voilà. J'ai bien avancé, vous allez me dire, ouais, t'as plein de tracteurs, t'as plein de choses et tout, c'est normal. Parce que, en fait, je joue avec la team Derby, et il y a des personnes qui l'ont le jeu, donc Anto. Et en gros, c'est lui qui m'aide tout simplement un peu dans le jeu, à avancer et tout, on fait des missions à deux. Donc il m'aide et tout, il me donne un coup de main, parce que moi, je connais pas du tout le jeu au début. Donc c'est, voilà, je connais. Maintenant je connais plus facilement. Donc je vais vous montrer, là j'ai la pince pour les arbres et tout. Donc je vais vous montrer vite fait il y a quoi dedans. Là ici c'est la machine pour couper les arbres à côté. C'est comme une petite tronçonneuse mais vous mettez au bout du tracteur. À côté on a un petit godet. Donc voilà. Et il y aura des petites missions à faire aujourd'hui, donc ça va être pas mal. Donc si vous voulez rejoindre sur Xbox One pour en faire avec moi, pourquoi pas. Donc voilà toutes les machines, là-bas pour faire la paille, ici pour masser les bolottes de paille, ici pour retourner la terre. Ici, le truc vert pour planter et retourner la terre. La petite remorque pour charger le bois. Là-bas, j'ai coupé du bois, mais j'arrive pas à le choper, donc je l'ai mis de côté. Bref. Ici, on a la cuve à eau. Ici, c'est pour. Donc, on a les vaches, bien sûr. Ici, c'est pour mettre la paille dedans. Donc, on a vraiment tout. La remorque pour mettre les animaux dedans. La belette de paille. Ça c'est pareil, mais j'avais vendu un tracteur sans faire exprès, je voulais pas le vendre et en fait j'ai fait trop vite. Tout simplement parce que. Comment ça s'appelle? Je pensais que j'avais assez de thunes et j'ai pas regardé les prix, donc du coup je l'ai vendu trop vite, mais du coup faut que je m'en rachète un autre. Donc ma vache et ma deuxième vache qui est là-bas. Donc je vous montre vraiment vite fait pour les personnes qui connaissent pas le jeu, moi je connaissais pas du tout. Donc Anto, celui qui joue avec, eux ils connaissent le jeu parce que ça fait des années qu'ils bah, ils ont déjà joué. Donc voilà. Un peu tranquille et on va faire les missions. Du coup je vais me téléporter ici, on a le champ à faire, donc il y a un côté ça va pousser parce que j'ai arrêté le temps du coup, et nous on va prendre tout simplement la remorque et on va venir à côté de la moissonneuse pour la vider. Donc il y a plein de choses à faire, il y a du bois, il y a ça, il y a les champs, il y a ça, je me trompe tout le temps de bouton, c'est chiant. Voilà, il y a moyen pour rattraper, c'est l'avantage. Hop, et là, là, hop. C'est l'avantage, en fait, je peux changer de véhicule et je laisse les camions tourner. Et là, on va se mettre en route. On va le faire un peu et après on va le laisser faire tout seul. Merde. Merde, je l'ai arrêté. Non, c'est bon. Voilà. Là c'est moi qui va piloter, donc j'abaisse un peu le volume pour éviter ça soit trop fort. Et du coup c'est parti. Donc là c'est un peu le bordel parce que ça fume derrière, mais du coup il y a rien pour rattraper, c'est un peu dommage. C'est pas de la paille du coup, c'est quoi j'ai planté. Donc je vais pas faire tout le champ non plus. Je vais m'arrêter entre deux, je vais faire plusieurs petites choses pour éviter que je reste trop longtemps sur le même truc. Bien sûr. Donc hop. Au pire, je vais le laisser travailler, ça va m'enlever un peu de thune, mais c'est pas grave. Et comme ça, bah, je pourrai remplir la remorque. Aller vider. Donc c'est sûr, il y a des personnes qui jouent plus facilement sur ce jeu. Il y a des personnes qui se connaissent un peu. Moi, je connais pas trop grand-chose pour le début. Quand j'ai un souci, je demande à Anto. C'est lui qui m'aide le plus pour le jeu. Parce que eux, ils ont l'habitude, c'est normal. Moi je connais pas trop, donc ça va, j'essaie de me débrouiller, sinon j'essaie de regarder sur YouTube pour trouver des petits indices, un truc comme ça, pour comment en faire et tout. Et hier on a galéré pour remplir la cuve d'eau, mais on a trouvé quand même, donc
Je vais vous laisser sur les petites images, lui il va conduire tranquillement. On va attendre qu'il se remplit et moi je vais changer de tracteur. Allez, on va attendre un peu qu'il se remplit. On va rester comme ça et on va attendre. Hop, comme ça, on l'a laissé tranquillement avancer, vous avez vu comment ça fait. Donc du coup, moi je pilote le petit tracteur, et l'autre il se remplit, donc on va se mettre à côté. C'est chiant parce que des fois ça vous met, l'ouvrier A est coincé, ou est bloqué, je sais plus, mais c'est un peu chiant. Et il est obligé d'attendre qu'il vide entièrement. De toute façon, on peut savoir, voilà, lui il reste pas grand chose, hop, et moi ça remplit. Ouais, pas grand chose non plus, hop, mais c'est pas grave. Ça va nous laisser le temps de... d'aller en remettre. On va le laisser travailler un peu, on va revenir dessus après bien sûr. Comme ça on va être tranquille. Et par là. Est-ce que je peux rajouter par-dessus? Même si je rajoute, je sais pas si j'en ai ça. Faut pas jouer en tout parce que j'en ai aussi pour les vaches et je sais plus c'est quoi, mais de toute façon il me faut la machine pour leur nourrir. Donc hop. C'est bon, il me remet les restes. C'est bon, il n'y a plus rien? Non? Ok, bon, on va les vider. Et après, on va revenir dans la ferme. On va faire un. Il n'y a pas grand chose à faire. Parce que l'autre, il fait le champ. J'ai peut-être des herbes à couper. On va changer. De toute façon, vous allez voir. Un peu. On a plein de choses à faire. C'est très intéressant. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez nous rejoindre sur Xbox pour faire des missions en multijoueur avec moi, travailler dans la ferme, pourquoi pas. Ah, je vous dis un truc, c'est les gyrophares. Donc là, c'est raide, hein. Donc vous avez vu, c'est vraiment à côté, là-bas on voit la série de bois, déjà. Et à côté de la série de bois, on peut tout simplement vider la remorque et que ça nous fait de la thune en plus. Donc c'est l'avantage, bien sûr. Le magasin qui est un peu plus loin, sur la droite, le chemin qui va là-bas. Donc c'est vraiment assez cool. Là, c'est l'endroit où on coupe les herbes, on en a vraiment déjà coupé pas mal. Donc c'est vraiment assez cool quand même, là on a un morceau de bois qu'on a perdu. Hop, moi je me fais pas chier, je passe par là. Donc je sais pas s'il pleut dans le jeu parce que j'ai pas encore vu la pluie. Et là on s'arrête là. Et on décharge mon petit. Et regardez la thune qui remonte le côté. 10 000. Voilà, on est tranquille. Et on repart, on rentre à la maison. Tranquillement. Donc il faudra que je garde la thune pour... tout simplement pour racheter un tracteur ou en louer un parce que c'est chiant faire les allers-retours avec un tracteur. Comme ça l'outil peut travailler entre deux ou voilà. Il peut profiter à planter. Mais du coup, c'est un peu embêtant. On va aller voir juste vite fait la moissonneuse batteuse. On va quand même l'arrêter. Hop, sinon il va... Voilà, il va travailler trop et il va finir méchant. Pour l'instant j'attends un peu. Je vais le faire moi-même. Quoique... Attendez, je réfléchis un peu. Ouais, non, fini. Débrouille-toi, et puis moi je repars. Voilà. Donc c'est sûr, faut que je le nettoie. Ah, on voit les traces du pied, des pieds. Des chaussures plutôt. J'ai jamais fait gaffe. C'est vraiment assez cool, on voit les traces des pompes. Il y a des fantômes dans le tracteur. Hop. On va aller poser la remorque. On va charger le tracteur et on va aller couper un peu des arbres. La remorque, je vais en foutre là, au même endroit où elle était. Ça passe en dessous. Voilà, la petite remorque est lâchée là. Comme par hasard, la tronçonneuse. Elle est de l'autre côté, bien. Ah, je me fais un peu avoir des fois quand je charge. Voilà. On va prendre la remorque, tranquillement, on va partir un peu plus loin. Je crois qu'on va aller vers la série, j'ai pas fait gaffe s'il y avait du bois. On en a coupé aussi vers la série hier. Donc bien sûr, hop, vous pouvez attacher en fait tout simplement la remorque là, sur ce véhicule. Il faut acheter un... Bah, la petite remorque devant, le petit trou, là les deux roues, vous voyez, qui s'attachent au tracteur. Donc vous pouvez, ici je viendrai chercher, charger des choses, je mettrai, je pars à stocker des choses, vu que j'ai un godet maintenant, donc je peux.
Le mieux, c'est quand on a deux tracteurs comme ça, t'en as un qui reste attaché, l'autre il coupe et tout. Mais bah, le beau il va se barrer, c'est pas grave. Je vais aller au plus près de la série, comme ça je vais être tranquille à charger et tout, parce que c'est vraiment pas facile, parce que les bras du tracteur sont vraiment courts. Si je vous montre, bien sûr, si veut bien changer, non. Voilà, ça c'est vraiment court, donc du coup, c'est embêtant. Non, t'as pas décidé de descendre, toi. Attendez, je réfléchis un peu. Ah, c'est bon. Donc ici, c'est fait, mais c'est galère un peu parce qu'on est loin de la serre et tout. Là, je vais aller par là. Il y a des herbes auprès. Là, ici, il y a des herbes à couper, c'est bien. On va se remettre sur la machine à coupe. Au pire, s'il y a des armes que je peux mettre directement dans la flotte, je mettrai directement dans la flotte. On va larguer là, ici, la remorque. Tranquillement. Merde, putain. Désolé, je me trompe un peu. En fait, il faut bien se mettre sur la remorque. Non, c'était pas le bon bouton. Voilà, je réessaye. Voilà. Ici, je vais vous montrer. Donc ça marche pas sur tous les herbes, bien sûr, c'est ça dépend des petits, des herbes, faut que ce soit vraiment des petits. Quand c'est des gros, ça marche pas. J'aurais dû... Voilà, lever mon bras, et là on va tailler. Si ça marche bien. Ah, ah, des fois je vous ai dit, ça marche pas. Donc attendez. Et un con. Ah, c'est vraiment des, ça dépend vraiment des armes. Bon, ben, je pourrais pas le faire avec ça. On va essayer sur un autre point. Mais en principe, c'est le plus petit. Hein. On peut pas le faire sur les gros, sauf sûrement s'il faut régler la machine. Mais je pense pas. Je pense pas. Voilà. Donc, hop, vous avez vu, ça coupe. Et voilà. Comme ça, on est tranquille. On a pas besoin de. Bon, bien sûr, faut couper les branches nous-mêmes. Mais après, on peut le pousser directement dans la flotte. Ah, ça passe pas. Non, t'as pas décidé. C'est pas grave. On va rester. Non, toujours pas. Après, c'était le bras qui me gêne là-haut. On va voir si je suis dedans. Ah, non. Ah, j'ai pas levé trop. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais laisser ça là. J'ai deux tronçonneuses, bien sûr. Merde. On va essayer les deux. Ah, pourquoi j'ai pas le trait bleu? Non, c'est chiant, c'est pour ça que des fois j'allais dire prendre le tracteur parce que là on a par exemple, on n'a pas les traits bleus. Et ça va me faire couper plus haut. Ah, là je les ai. Deux fois ça arrive, ça disparaît aussi. Et après je vais essayer avec la deuxième tronçonneuse. Ah par contre là c'est pas vraiment efficace de pour recharger. Ah, je fais gaffe parce que maintenant je coupe un peu tout parce que quand on l'a fait à deux hier en fait on a eu un petit souci, en fait on est passé à travers les arbres. Le plus c'était moi donc je restais coincé. Voilà. Déjà on voit l'herbe, déjà c'est un peu mieux. Non, t'as pas décidé de. Ok, t'as décidé de me faire chier. Hop, vous allez voir déjà les branches qui vont descendre tranquillement. Non, par contre c'est chiant parce qu'on voit vraiment que dalle. J'essaie vraiment de tout nettoyer. Ah, moi, il a décidé de couper là. Je sais pas si on voit quelque chose. Je sais pas s'il coupe. Ouais.
Non, t'as pas décidé, ok. Non, mais c'est pas grave, dis-le si tu veux me faire chier. Vous pensez, ça marche? Je peux me faire chier à le charger dans la remorque, celui-là. Quoique. Non, bah non, il est trop. Ouais, il est trop bizarre là. J'ai pas dû venir là. En fait, je. Ah, puis ouais, j'ai. Le tronc qui me gêne du coup. En fait, j'aurais pas dû venir là parce que du coup, je vais galérer à prendre l'arme et tout. J'aurais dû aller un peu plus loin, c'est pas grave. De toute façon, maintenant qu'on peut attacher les armes. Bon, c'est pas grave, ça peut rester comme ça aussi. Et aller autre part même. Ah là, pourquoi j'aime pas? Parce que le tracteur, du coup, il se lève. Yo! Puis là, comme vu, je suis tout seul. J'ai plus de tracteur pour le débloquer. Enfin, j'ai sinon avec la machine, et je bon, oui. Donc ne pas tomber dans la flotte, déjà ça sert pas mal. Lui je l'envoie entièrement. Hop là, faire gaffe. Donc ça prend à partir gauche, droit, à partir côté droit, ça prend pas en compte. Je préfère prévenir pour les personnes qui savent pas. Vous allez me dire oui, mais on connaît tous le jeu, mais il y a des personnes qui connaissent pas. Moi je connaissais pas du tout le jeu, j'avais jamais joué. Je connaissais juste le nom, mais j'avais jamais joué. Hop. Donc en principe, c'est le mieux, c'est de couper entièrement les feuilles et tout parce que ça rapporte. Plus, mais là ça va encore. Juste voir l'ouvrier. Hop là, on va l'arrêter là. De toute façon, il a fini, je crois. Et alors, on va pas. D'accord, il avait arrêté entièrement. Ok, c'est un pic. Je suis où du coup? Là. Pierre, je ferai une petite coupure. Puis on se retrouvera à un autre endroit pour les armes. Celui-là, je pourrais le laisser tranquille. Pierre. Ouais, bah vous inquiétez pas, on va partir autre part. Et je vais faire des petites armes du coup. Il va pas me lâcher celui-là. Ouais. Allez, casse-toi, lâche-le. C'est vraiment des petits, ça sera plus facile. Ça, là, je viendrai un peu plus tard le couper moi-même. Et je vais être tranquille comme ça. Hop, dégage. Je récupère mon petit bras là. Et je vais faire une petite pause et on va revenir. Ça y est, du coup, j'ai trouvé un endroit pour bien tailler les armes. On est un peu à côté de la série, mais en fait on est dans la forêt même, dans un peu plus loin en fait, là où je vous ai montré tout à l'heure, j'avais coupé il y a pas longtemps. Je suis rentré au cœur de la forêt. Merde. Et du coup en fait j'ai l'impression qu'il se met dedans, mais je vois pas grand chose. Et comme ça je vais tranquille, même si ça fait un peu loin, c'est pas grave. Vous allez me dire en même temps c'est mieux avec la ponceuse, mais j'ai pas les moyens. J'ai pas envie de faire un crédit, après j'ai pas envie d'être dans la merde. Putain, il veut pas se mettre. Tu vas rentrer dedans toi. Ça passe là. Ah, dis pas le contraire, ça passe. Oh, genre, il se met tout le temps à côté. En fait, on va tellement mal. Je vais me mettre comme ça, désolé pour la vue. Ah, puis maintenant, c'est le bras là-haut qui me fait chier. Oh, genre, dis pas qu'il peut pas rentrer. Hier, je l'ai fait sur des airs. Je vais essayer le grand là derrière. Bon, on n'est pas les branches en bas et on est tranquille. La lame elle tourne. Hop, là on va bien le prendre en principe. Alors, là, il faut le prendre peut-être un peu plus haut. Non, hier ça passait, il faut arrêter un peu. En fait, ils sont là pour m'embêter les armes. Ah non, d'accord, je crois que j'étais dedans, mais non, je suis à côté. Voilà. C'est mieux qu'on est dedans. Ça coupe plus facilement. Je vais dégager tous les armes sur le côté. Bien sûr, j'ai pas à faire que ça dans les jeux. Si vous voulez voir carrière suivie, j'ai pas à faire que ça. Oh, pile poil. J'ai pas à faire que de l'abattage. Je pourrais aller chercher des animaux, faire les champs, faire des petites missions. Vous inquiétez pas, il y a pas que ça pendant les vidéos. Hop, on va tailler celui-là parce qu'il m'énerve, il est moche. Hop, dégage. Donc je taille et après je viendrai charger, vous inquiétez pas. Même si je pourrai pas tout mettre dans la remorque, si vous voyez pas tout, c'est pas grave. C'est bien, ça rentre plus facilement maintenant. Le mieux c'est prendre les plus grands parce que. En fait on sait quand c'est les plus grands, ils ont pas de branches au niveau des. D'en bas en fait, au niveau du tronc. C'est le plus grand. Et les plus grands des fois ça disparaît. Là par exemple c'est un grand. Il va être tombé. Voilà, là il va être galère à récupérer de toute façon. J'aurais dû prendre l'autre au moins. C'est les plus grands en fait qui sont plus chiants. Là puis on peut les tailler. C'est le plus grand qui est le mieux.
Hop, lui il va s'abattre comme ça. Ah, il est tombé par là aussi. Voilà, vous avez vu, il roule, hein. Donc, au pire, je taille, puis si ça restera dans la forêt, c'est pas trop méchant. Je reviendrai avec un peu plus tard avec la ponceuse. Comme ça, je pourrai être tranquille. Donc, je vais tailler encore un tout petit peu par ici. Il n'y a pas grand chose. Il y a celui-là. Ah, à côté. Presque ça. Voilà. Et on fait tomber. Donc, hop, on va laisser ici. On va tourner. Je suis un peu loin de la remorque. On va débiter les arbres, les branches. Donc, j'ai essayé avec cette tronçonneuse-là. Je n'ai pas encore testé. Tout à l'heure, on a essayé l'autre. Donc, le bruit il est pas pareil, c'est sûr. Le mieux, il paraît, c'est faire les copeaux. Après, voilà, ça reste différent. C'est sûr. Mais le mieux, ça reste les copeaux à faire. C'est pas pareil. Hop là. Bon, c'est vrai, je peux me téléporter directement dedans. J'espère que ça va être pas trop con. J'espère que je vais pas galérer du tout. Parce que ça va être chiant si je galère. On va essayer de le prendre bien au milieu. Je galère encore avec les armes, ça peut arriver. On va pas parler trop vite. J'ai dû ramener la remorque par ici, ça aurait été plus près. Et vu qu'il touche encore le sol, celui-là va être galère à rentrer. J'ai dû le couper un peu. Je vais me faire chier avec. C'est pas facile parce que regardez, voilà. Ce que j'aime pas en fait, c'est mal fait encore. On en parlait. J'en parlais avec Aranto et on disait c'est vraiment mal fait parce que même lui quand il prend les branches, mais il a l'habitude. Ceci c'est que le ça se balade en fait. Je sais pas si je vais pouvoir le mettre entièrement. Mais je pense pas. Non, voilà. Je vous disais, hop, je vais tailler, je pense. Le truc il tient même pas. Ça m'énerve, j'aime pas celle-là. Voilà, on va prendre celle-là et c'est mieux. Donc, hop. Allez, mon petit, on y va. Ouais, et c'est là du coup il faut que je rattrape. Vas-y, lâche-le. Hop là, un pec. Voilà. Ici on rattrape. On va essayer tout au moins. Voilà. Ah, je suis pas un pro non plus. Donc il m'a dit de le poncer derrière, le mettre derrière, vers l'arrière. Voilà. On peut pas plus de toute façon. Et non, te barre pas, s'il te plaît. Laisse-toi faire. Je suis gentil, t'inquiète pas. Je vais pas te faire du mal. Le mec, il sait parler en arme. On a jamais vu ça. Ah, purée, je vais m'emmerder encore. Je crois que tu vas pas me faire chier longtemps, toi. Ah, puis ça m'énerve, cette tronçonneuse. Elle est trop haute. Eh, boum, c'est trop lourd, je savais pas. On va couper, je m'en fous. Non, tu veux pas couper? Oui. On va pas se prendre la tête pour un arbre, hein. Pour une branche. C'était un arbre. Maintenant, c'est plus un arbre, c'est une branche. C'est un tronc, là. S'il reste pas gentiment pur, là, tu vas pas me faire chier, bien sûr. Oh, non, c'est bon, faut arrêter un peu, là. À un moment donné, ça suffit. Allez, lâche. Allez, mec. Ah, la purée. On va revenir au milieu. Hop là, doucement. Allez, John, on y va. Allez, si vous êtes pressé par du bois avec moi, vous êtes dans la merde, les gars. Ah ouais, si vous avez besoin pour construire votre maison ou faire du papier, avec moi, on est un peu dans la merde. Voilà, et on lâche. On lâche. Lève. Voilà. Celui-là, je vais pas me faire chier, je vais l'attacher tout de suite. Parce que je le sens qu'il va se barrer. Et on l'attacher par là. Allez, vas-y, oh, fais pas chier. Voilà, il est attaché. Les petits morceaux, je les ramasserai un peu plus tard. C'est pas trop méchant encore, les morceaux d'armes.
J'ai pas passé, comme je vous disais, 2 heures à ramasser des herbes, bien sûr. Je vais juste charger un peu. La prochaine fois, quand j'aurai la machine exprès pour la ponceuse, je vous ferai une vidéo dessus pour vous montrer un peu. Oh, celui-là, mon livre est de galère à prendre. Il m'a prévenu de le mettre en arrière. Hop, et fermé. Vous voyez, il se barre. Merde. Il se barre un peu, celui-là, il est chiant. En principe, ça passe. Je suis étonné, en plus, ça se voit, j'avance un peu dans le jeu, parce que l'habitude, j'en mets pas deux dans la remorque. Je me débrouille un peu, mais là... Ouais, hier, j'en ai rempli une, je l'ai mis un peu de travers. À la base, c'est une remorque de poids lourd. C'est pour les personnes qui veulent savoir. Donc, en fait, on l'a custom en forme de tracteur. On a juste mis, je vous disais, la petite remorque derrière. Ouais, les autres, ils vont être un peu plus chiants à prendre, parce qu'ils sont vraiment... Il y a peut-être celui-là à prendre. Yep, là. Celle-là m'énerve, enfin j'essaie de la revendre parce que... Voilà. On a quand même 13 000 en dessous. Celui-là entièrement, je sais pas s'il va rentrer. Mais à mon avis, on essaye. Et... Hop là. Et on y va. Hop là, pas de trop vite. C'est chiant parce qu'on peut pas le prendre bien au milieu. On sait pas de toute façon quand on est au milieu ou pas. De toute façon il va se déplacer entre deux. Ouais, déjà il bouge. Sans le toucher, il bouge. Hein. Je ne mets pas encore dans le sol, il bouge. Voilà. Voilà. Il pivote tout seul, ça m'énerve. Ça m'énerve. Par contre, le gros défaut, c'est ça. C'est dès que vous chopez un arbre, voilà, il penche. Donc du coup, on va galérer pour le mettre dedans. Et en plus, je l'avais bien promis, hein. Regardez comment il se déplace. Il va pas me faire chier, lui. Je vais mettre directement dedans. Même s'il traverse, c'est pas grave. Voilà, et un pec. Allez, tu vas aller dans mon petit, tu vas aller voir tes copains. T'as pas décidé de lâcher toi. Je suis plus le seul à l'aide. Voilà, troisième morceau d'arme. La remorque, je vais la laisser là, de toute façon je viendrai la chercher plus tard. On va pas me le voler, de toute façon c'est du bois, je sais où aller, comme ça. Je vais pas me prendre la tête à la ramener tout le temps à chaque fois. À la ferme. Dites-moi aussi si vous voulez que... Comment ça s'appelle? Me dire vous avez quoi comme ferme, laquelle ferme vous avez, celle-là ou l'autre. Et me dire aussi dans les commentaires si vous préférez... qu'est-ce que vous avez aussi en véhicule? C'est ça que je voulais savoir. Alors, je pense qu'il y a peut-être des personnes... Ou même sur quoi vous jouez. Hein. Même c'est, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être jouer sur PC. Il y a peut-être plus de modes. Après c'est sûr, mais c'est pas intéressant. Moi je préfère sur Xbox. En fait c'est un code qu'on m'a donné. Je remercie beaucoup, bien sûr. Ah, ça va être chaud celui-là. Holy. Et là, j'ai bien promis, vous êtes d'accord, mais vous allez voir, il va pencher. Holy. Petit souci. Non, j'ai pas fait le cri du cochon. Vous inquiétez pas. C'est parce que quand on est à la ferme que je dois faire des cris. Et je suis content quand même, je suis passé à mon troisième arbre. Presque. Non. Ah, j'allais dire, non. Ah ouais, il va être travers celui-là, c'est pas grave. Oh non, 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 c'est. Ouh, je le sens pas. Ah, il va être posé, mais vraiment travers. Ah, c'est va. Par contre, maintenant, enlève, on me poule. Bon. Ouh, ça va être chaud. On va l'attacher tout de suite, on va sangler. Eh non, enlève pas toi. Je mets des sangles un peu partout, mais bon. C'est dangereux, ça dépasse. Hein. Oh là là, je vais me faire traiter. Et s'il y a des fermiers dans le coin qui regardent la vidéo, je vais me faire traiter, ça dépasse. Ou même des bûcherons. Des gens qui s'occupent du bois, je sais rien. On va essayer d'attraper le dernier. Et puis, on va revenir tranquillement à la ferme. Tout seul, sans la remarque, on va la laisser là. Je vais juste reprendre ma machine. Ok. je crois que j'ai un petit souci quand même, non? Vous pensez pas, il y a un petit souci quand même, je touche plus le sol. Hop là, et on dépanche.
Donc si vous voulez voir plus de vidéos sur ce genre de jeu, dites-moi le dans les commentaires. Moi j'aime bien en fait. Ça change du GTA. Voilà. Bon, je pense que celui-là il doit rentrer facilement maintenant. Allez, on lâche. Allez. Qu'est-ce que ça, j'ai pas ouvert, mais si, j'ai ouvert. Allez, j'ai dû charger le côté, mais c'est pas. On est en bon quand même. Voilà. C'est impec. Ah, je crois que j'ai peut-être allé vider. Non, je sais pas. Ça m'embête de laisser la remorque là, ça m'embête de... Non, bah de toute façon, je vais revenir, donc ça sert à rien, les amis. Je vais pas aller la vider. De toute façon, moi, je vais rester là, hop, tranquillement. Et on va aller voir ici, ça donne quoi. On va aller voir les animaux, bien sûr, c'est bien, on peut se téléporter, du coup. Et on va aller voir s'ils ont pas besoin à boire, donc à boire, c'est par là. On va aller juste aller voir vite fait, et ça va être pas mal pour aujourd'hui. Alors, bien sûr, j'ai réduit le temps, donc c'est pour ça que ça avance pas beaucoup. Mes vaches, ils ont encore à boire. C'est magnifique. Hop, je m'essuie un peu les pieds, et on repart. Donc là j'ai ma vache Marguerite, et là j'ai Rose la vache. T'énerve pas, c'est bon. Oh. Donc on peut avoir des petits, bien sûr. C'est moi qui ai fait le coup en fait hier, j'ai voulu à travailler, c'est tombé. Donc je sais pas comment je vais faire, parce qu'on peut pas rentrer avec un véhicule dedans. Et on m'a dit qu'il faut regarder parce que si c'est vide, il faut remplir, donc ça va pour l'instant. C'est impec. Un truc que j'adore, c'est hop là, sauter. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ici c'est tout la croûte. Donc ça se remplit là aussi tout seul. Ici donc il faut nettoyer aussi entre deux. Donc il faut pousser et tout, il faut nettoyer. Il faut avoir un truc exprès pour nettoyer et tout. Donc une cuve exprès. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi le dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite sur Farming Simulator. Salut à tous. Bon game.